Et bonjour les amis. Eh bien, je vous retrouve. Ben, on n'est pas sur la route, on ne roule pas, on ne voyage pas. Mais en attendant, on est confiné, on s'occupe. Et l'occupation, la voilà, hein, c'est tout simple. On a, pour ceux qui ne l'avaient encore pas vu, fabriqué un vélo assistance électrique avec une roue d'overboard. Et là, je vais vous montrer aussi comment j'ai fait avec la poignée de gaz, contact. Voilà. Et donc, je vais vous montrer maintenant. J'ai amélioré l'autonomie. Voilà la petite boîte où se loge eh bien, tout le système de gestion de batterie et tout. Et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait pour augmenter l'autonomie. Eh bien, tout simplement, une batterie 36 volts, deux batteries 36 volts 158, 4 ampères. C'est une batterie Samsung. De chaque sa batterie Samsung, contrôleur, il va falloir que j'augmente la puissance parce que les puissances d'origine sont bien, mais bon, pour éviter des petits soucis, on va lui augmenter son couple à ce contrôleur. Et donc voilà le système tout simple. Je n'ai absolument pas percé le cadre, pas touché au cadre, tout est fait par fixation, que ce soit le moteur, que ce soit la boîte de réception du matériel, que ce soit pour le transfo 3648 ou les batteries 36 volts. Donc voilà, eh bien, je vais me balader, je vais tester ça eh bien, quand on pourra rouler, parce que pour l'instant on ne peut pas se promener, mais à part pour aller chercher le pain, peut-être demain matin on va tester, on va voir ça. Bon, eh bien, je vous mets ça sur YouTube, et puis eh bien, on se reverra bien pour autre chose. En attendant, voyez le confinement, on se